Chers confédérés, comme je vous ai souhaité la bonne année dans ma boulangerie de mon quartier, aujourd'hui, je vais vous parler de l'initiative pour le droit au logement abordable des votations du 9 février. Mais je vais le faire devant ce magnifique plateau de jeu de Monopoly, parce que les parlementaires et moi-même nous aimons beaucoup pendant les sessions. Jouer au Monopoly. Toi, c'est pour ça que c'est si long les sessions des parlementaires. Je n'arrive jamais à acheter Zurich Paradenplatz. Hein, moi non plus, mais j'arrive jamais. Quelquefois, je préfère avoir les chemins de fer privés ou alors la compagnie des téléphériques ou les tramways interurbains ou alors les funiculaires. Mais comme je n'arrive jamais à avoir les quatre à la fois, mais toi, il faut avoir les quatre pour gagner l'argent. Pour faire du fric, alors j'ai encore perdu. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral m'a mandaté pour vous parler des votations du 9 février. Sinon, je passe deux tours en prison. Chers concitoyens, chères concitoyennes, comme les animaux de notre pays, les taupes, les renards, les marmottes ont le droit d'avoir un terrier individuel dans notre si belle nature, la population suisse, chacun, chacune a le droit d'avoir un endroit où se loger, ça, on ne discute ah, pas. Ouais, ça... Mais il ne faut pas exagérer non plus. Au Monopoly, si tu as quatre maisons comme ça, tu peux construire un hôtel. Hein? Mais la coopérative au Monopoly, ça, ça n'existe pas. Mais ça, c'est la vrai. Situation actuelle comme c'est maintenant, ça marche très bien. D'un côté, il y a les riches qui ont la villa, avec le mazout et le SUV pour faire les déplacements. Et de l'autre côté, il y a les pauvres qui habitent dans ces trois pièces minables et qui ont les antennes 5G sur le toit et qui font les trajets en transport public. Toi, ça c'est moi, c'est alors, moi. Alors, bien sûr, le Conseil fédéral est conscient qu'il y a encore des progrès qu'on peut faire. Par exemple, virer les vieilles personnes qui ne peuvent plus payer leur loyer à cause de leur AVS minable. Ou alors, démolir leur villa qu'ils ont mis toute leur vie à construire avec leurs économies pour construire à la place des immeubles avec des bureaux qui restent vides pour blanchir l'argent des spéculateurs. Mais toi, les bureaux vides, ça c'est pour moi. Parce que le taux hypothécaire est descendu à 0,55%. Qu'il faut baisser les loyers. Non, il faut déjà penser à ces pauvres spéculateurs qui vont devoir mettre de côté de l'argent pour l'assainissement de leurs immeubles à cause de la transition écologique. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi le Conseil fédéral recommande de rejeter cette initiative. Voilà, maintenant on joue, c'est fini, on joue. Alors, c'est à moi, je vais faire un double. Hey, c'est à moi, alors je fais, alors cette fois j'avance. Attends, il est où mon fer à repasser? Bon, ça suffit, allez bien. Tu sais quoi, ça m'a donné envie de faire une partie des 1000 bornes. Tu me suis, on va faire aux 1000 bornes. Mais c'est les 1000 bornes, spéciale version Genève. Ça veut dire que tu peux choisir les piétons que tu veux écraser. Une femme enceinte, un vieux, une lesbienne, toi. Et si tu n'as pas les macarons del Stick Air pour aller au centre-ville, tu dois payer 1000 balles à la fondation del parking. Allez, viens jouer, viens. Viens jouer.